Vous le savez, un grand événement est prévu au courant de cette année. Et oui, c'est annoncé pour le Zénith, mais avant le Zénith, il a souhaité également se produire pour le peuple congolais, le concert du peuple. C'est l'intitulé de la production du pasteur Moïse Mbié, qui a dépêché sur ce plateau un confrère, mais communicateur également de l'événement. Il s'agit de Deluxe Arlo, vous le connaissez, il n'est pas à présenter. Bonjour et bienvenue. Bonjour Bob Ambongo, c'est un plaisir, c'est un privilège de passer dans ce grand plateau, dans cette scène de maître, vous comptez très bien, de Télé 50. Si vous organisez de grands événements ici dans notre pays, si vous ne passez pas ici chez Bob Ambongo, il y a un spectacle, il y a le roi, il y a donc quand j'ai reçu l'invitation pour venir participer dans cette émission, j'ai dit, ah non Bob Ambongo, mais c'est le français. Parce qu'il y a certains journalistes qui parlent en français, d'autres personnes qui parlent le français, mais vous, vous parlez le français. Merci. Donc c'est un honneur, c'est un privilège de venir vous parler de l'artiste prédicateur, la raison de l'éternel, le pasteur Moïse Mbié, pour cet grand événement au Yézal le 19 mai, parce que nous sommes le 19 mai. Introduction de Bagnon, on a la polémique. Cela veut dire. La raison de l'éternel a que consulter un colo. Colo a mis tchadat pour na seka. Le 19 mai. C'est pour cela, en étant artiste et musicien, en étant prédicateur, le jour-là, a roya le colo chanteur. Et puis il va déclarer des choses. C'est pour cela que je suis venu pour parler de cet événement. Parce que l'artiste Moïse Mbié, la raison de l'éternel, c'est le pécune reste. Au contraire, tu dis que Nzambe a créé la bikila mo ibele. Après, ça ramoute dans mon potentiel. Et le but est que ce soit la réserve de l'éternel. Mais pour la nuit, concernant les bandana, il y a une polémique. Il y a une polémique. Tu es artiste. Le stade de bandana déjà calé. Ma star m'a bêta déjà. Moïse Mbié, c'est artiste. C'est 11e artiste à remettre dans le stade de martyr. C'est artiste à Liboso. Il y a un gospel à remettre dans le stade de martyr. Et puis, Banda, ma stade de banana, stade de martyr. D'ailleurs, mon affiche, le roi, oh, il est bon. Il est beau, hein, ma bombe face à elle. Et ça, il a être comme à la carte. On a besoin de sécuriser les bêtises. On a besoin de les bêtises. Donc, conseil, on a tout que tout le monde a polémique, mais bien. Il faut tout ça à polémique. Vous avez moi polémique, mais ça. Polémique. Et bon, Satan, il va ça à polémique. Et c'est ça. Et Banda, on a la polémique. Ah, ça, on a la polémique. On était avec la réserve de l'éternel. Parce que le peuple va lui dire en spectacle. Parce que tout ça, il est en Angola, plein à Rosarate, Cameroun, tout abonné partout. Mais il y a qui mais il y a une vision qu'il faut aussi célébrer dans le stade. Le stade de Tata Raphaël, le stade de Martin, et ainsi de suite. Tout ça, il y a une production, il faut être bête, mais il y a tout beaucoup. Il y a tout fourmi. Tout sourire, ça dit que boycotter le conseil en Asie de Paris, mais surtout changer le psychologue. Puis on y a sur le groupe A, B, C, D, tu remets la de Paris, sous des mains, tu remets la salle en Asie de Paris. C'est pour cela, mesdames et messieurs, je vous supplie, je vous convie, apprenez ce que je suis en train de parler au sérieux, le 19 mai, au stade du martyr, avec le pasteur Moïse Mbié, la réserve de l'éternel, va louer cette production. Il y aura beaucoup de personnes qui sont au travers de Mozolan d'Abisso. Bonjour, Mokola. Bob Ambongo, vous êtes invité. Merci. Vous êtes parmi de grands animateurs à Mokola d'Abisso Congo. On a dit que je suis présent, on a habité ce commun, combien de brevets, sur combien de trophées on a habité. La raison de l'éternel va chanter, va danser. Arobi, nanan, nanan, abina, bon,
Il y aura des guests, mais tant qu'il y a un spectacle, il m'a envoyé des cartes à chaque club. Concert haute en couleur. Le ministre, il y a un tout à côté de la. Donc, c'est là, c'est dimanche 19, il m'a mis tout dans le stade de Martyr. Même ma technicien, ma technicien, ma patron, mon réalisateur, mon caméraman, ma latte, confort au santé, excellent, c'est ça la télé 50 ans au santé. Sur le bateau, il y a un petit régie, et tout le monde est là, tout le spectacle est 19. Avec la réserve de l'État. Et ça, pour les migrants. Et ça, pour les migrants, c'est ma musique. Parce que Moïse est un maestro. On va quand même tenter de voir en illustration, hein, donc une séance de répétition, je pense, oui, aussi, oui. Au showbiz. Au showbiz, oui. Oui, question également de découvrir ce que sera cette grande production. Oui. Kinshasa, 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 eh, Kinshasa. Le piano va faire tout. On y va? Encore? Est-ce que ça l'a bien? On peut applaudir pour lui. Maintenant la guitare va faire. Guitare. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon, je demande. Maintenant la batterie va faire. On y va. Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que c'est Malobi Moïse Otikae Makamwa Bonzambe Otikae Balobi Moïse Atika Makambwa Ecclesia Natika Balobi Betidian Batika Kobunde la Congo Totika Balobi Fardese Atika Kobunde la Nzambe Totika Jotupona dossier wana natika. Il paraît que je risque ma vie. Tozala qui n'a pas si Tobele la Kinzambe Ayoka qui le samboye Anzimia Pambolanga Baninga Nangai Mitema e Indi Napamwa Minanga Bango Mitema e Indi Zamba Tombolina Bango Mitema e Indi Zamba Pambolina Bango Mitema Nalobi Nazala qui n'a pas si Nabele la Kinzambe Ayoka qui le samboye Anzimia Pambolanga Baninga Nangai. Baissez la musique, baissez. Kinshasa, écoute-moi. Brazzaville, écoute-moi. Le Seigneur donne une chance à un rappeur. Tu es rappeur. Tu fais bien, tu rappes bien. Brazzaville ou Kinshasa, écoute ces sons. Tu vas poser sur ces sons, mettre sur internet la personne qui sera repostée, 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 plus que les autres, va rapper avec moi au stade de Martyr les 19. Je te laisse ce son. Allez, est-ce que tu écoutes? Donne tout ce que tu as dans les ventres, vas-y. J'entends rien, rap. Est-ce que tu es là? Rappeur de Kinshasa. Que tu sois connu ou pas, vas-y, le Congo va te découvrir. J'ai dit ceci comme moi. On y va. Et oui, la réserve de l'Éternel, on peut que dire dans la parole, il y a une certaine réserve, et également dans la musique gospel, on peut se dire qu'il y a un talent, oui, qui va démystifier ce monde du gospel. Made in RDC, ben on peut que dire félicitations à l'artiste avant même le concert, parce que ça sent oui, ben, une épicerie musicale qui est en train d'être faite. Et on peut que dire, ben,
nous vous accompagnons à la réserve de l'Éternel, Moïse Mbillé. Et j'ose penser déjà que Marie-Hélène Mayalou sera de la partie Star Plus 1 pour cette grande production. Et nous, au passage, nous saluons également depuis la Chine, et oui, ce jeune entrepreneur qui pense également accompagner, et oui, les œuvres qui marquent le temps. Nous saluons Mike Abangapakwa de Canton, le boss silencieux. Et oui, si vous voulez faire un transfert depuis la Chine pour Kinshasa, pensez donc à Amelo Logistique. Et si vous voulez voyager, Deluxe Arlo, si tu veux voyager en VIP. En VIP. Du côté de la Chine, pense donc à Amelo Logistique, un service VIP. Je le ferai, mon frère. Qui t'accompagne. Alors, le fret aérien, le fret maritime, il assure. Et également du côté des frais académiques, les bourses du Sud, il assure. Un challenge, pourquoi ? En dehors, Moïse Mbillé, c'est un père de multitudes, qui encadre de multitudes des âmes. À part artiste, musicien, c'est un monteur, c'est un père spirituel qui encadre beaucoup de fidèles, qui vient chercher la personne divine, le patron des saisons, qui est Jésus-Christ. Donc, il a lancé un challenge, à part artiste, musicien, à part chantre de l'Éternel qu'il est, il est aussi producteur. Donc, bateau, tout, on rappelle le Goraï. Bah, vous voyez, mais la Stade de Marty. À part Stade de Marty, bah, ok, il y a un studio. Vous comptez très bien sa maison de production, Bibomba Musique, Oeza, ouvert pour tout le monde. Alinga Pessara Bajen. Parce que lui, il est là pour propulser les jeunes et non à étouffer les jeunes. Donc, c'est ça. C'est pour cela que je suis venu passer ici dans cette émission pour faire appel à tous ces mondes-là de venir. Rap Gal en colo ou bien rap en général? Rap Gal en colo. Ah, okay. Ah, ils ont un message dans le colo. Mais on rappelle, c'est un peu de colo. Ils ont un colo, ils ont un talent. La bande du Mozo, ils ont un niveau de néant, ils ont un niveau de pression. Ils ont un niveau de vacuum, ils ont un colo. Parce que le jour là, c'est spectacle 19 mars au Stade de Marty. Ils ont un événement Zimankaka Diaka. Donc, qui veut dire, ils sont un peu de temps pour vivre. Moïse Mbillé, ce sont des artistes légendaires. Oyo, c'est le pays qui nous reste, tu vas regarder, tu vas se mettre, tu vas aller venir. Voilà. Sécurité, ils ont bien, matos, ils ont bien, spectacle, ils ont bien, battre, ils ont bien. Donc, il y a un challenge, il est lancé. Il est à la tête, il est à la Congo, il a besoin de la province, il a besoin de la Brazzaville, il a besoin d'Afrique, même l'ami qui l'a porté. Banaga ko poster ko poster ko poster bauti dans la bille au yé balogé au vandi au yé mis dans la stade de Mato aussi ça ok la bille bomba musique au sein une chanson donc très bien c'est vraiment félicité. Alors on retient la date du 19 mai. Le 19 mai oui. Donc au Stade des Martyrs, vous qui êtes talentueux, renvoyé de vos postes. Et oui, pour ce challenge lancé par le pasteur Moïse Mbillé, la réserve de l'Éternel. Et oui, pour la gloire du Seigneur, nous y serons au Stade des Martyrs pour célébrer ce concert du peuple. Je pense qu'il sera lancé un message de paix. Nous te remercions de Luxe Arlo pour ce passage merci beaucoup. Cet éclaircissement De cette grande production. Merci beaucoup pour ces grands privilèges. Je profite à l'occasion pour saluer l'excellence en Florent Thiba, ministre d'État de Brazzaville, le directeur de cabinet de notre papa Sassou Nguessou, Bambo Tebele, ici Kazoumi, parce que dans mon 10 000 billets, c'est une bénédiction venant de la part de Dieu. Merci à l'ex-chef d'État de la RCA, Ferdinand Alexandre Nguende. Parce que Moïse Mbillé, la raison de l'Éternel, est adorable, sénateur, merci à Madame Fatih, merci à Madame Divina pour cette confiance. Merci à la raison de l'Éternel, dont le patron de Bibomba Musique, les jours-là, il sera comme chanteur. Et puis à Rosalabé comme pasteur. Parce qu'il va en blanc parce vêtu, un manteau. Un manteau, oui, il va déclarer des choses. Maman Mouzo, les Ghanaïs, ça va venir ici. Donc, je tiens à vous remercier énormément. Et puis, je salue le boss, notre grand frère, Koulou Touza Marie, le patron, le PDG Jean-Marie Kassamavé Nabisso, à Tigabazen, Tétané d'Apropisseur. Ah, il faut une maravilla. Président, il y a eu président. Deux fois, tu es président, mon thème malam. Provincial, ce sera. Je viens à Zosé, au 50 000, Nabisso, DS 50 000. Deux fois. C'est bien. Alors, on te dit merci. Merci. Ton passage a fait énormément le plaisir de nombreux gens et qui te soutiennent, qui te félicitent également pour la démarche merci de soutien à l'endroit du pasteur Moïse Mbillé. Nous allons cette fois-ci donner la